bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends, il est midi et demi. Je me suis réveillée que vers 11h passé, moi, toute seule. J'ai bien été réveillée avec les enfants. Ma soeur est partie ce matin, je ne l'ai même pas vue. Je te fais un gros bisou ici. Décidément, j'ai du mal à parler ce matin. J'ai mon frère qui est encore là, il a son train vers 14h, je l'emmènerai à la gare. Je filerai directement à Leclerc faire les courses pour le reste de la semaine. On retourne sur des courses normales, des repas un peu plus équilibrés et qui font du bien au ventre. Oui, la pluie, ça joue un petit peu à son jeu en bois. Je tiens, regarde, c'est pas compliqué. Et elle a des cases pour papa, maman et le bébé pour faire des formes différentes, enfin, des habits différents, des petits oursons, c'est vraiment super ce qu'elle a. Des têtes différentes. Oui, des têtes différentes, c'est Maxence qui me demande des têtes. Donc là maintenant on va passer à table. Deux têtes différentes. Oui, deux têtes différentes, voilà. Donc on va passer à table maintenant. Poisson pas béri. J'ai l'impression qu'Aya on récupère les repas habituels des enfants. Pour le moment on est sûr qu'ils vont manger. Bah, la petite puce, elle adore ce jeu. Regardez, elle est en train de le faire. Bon, elle a tellement mélangé toutes les pièces, donc elle est en train de les chercher au fur et à mesure. Elle adore ça. Là, papa et tonton sont en train d'enlever. Oui, tu l'as trouvé. Le canapé lit qui est dans la chambre d'Andrea pour qu'on puisse remettre son lit. Et après, elle va aller à la sieste dans sa chambre. Ça va faire du bien de retourner dans sa chambre. Elle a encore bien dormi cette nuit avec papa et maman à la puce. On a bien dormi? Oh! Mais je m'en fous, je fais ce que je veux. Ouais? C'est pas la même tête. Qu'est-ce qu'elle est marrante? Issa! Oui! Bon, 14h moins 5, on est prêt à emmener Merlin à la gare. Enfin, j'emmène Merlin à la gare. Je vais aux courses aussi. Il faudrait que je prenne le sac de course, ce sera mieux. La puce est retournée dans sa chambre, dans son lit, c'est super. Les garçons font dodo. Ils sont contents aussi de récupérer chacun leur lit. Et donc là, j'emmène Merlin. Et puis après, direction les courses. On récupère un rythme de vie normal. J'ai mon frère qui est en train de partir. Il est dans le train. Je suis sûre qu'il ne voit pas. Il ne va pas me faire coucou. Bon, on est rentré des courses. Mon frère, c'est bon, j'ai déposé à la gare. Il est parti à l'heure, donc c'est super. Là, maintenant, j'ai tout rangé. Je parle pas très fort parce qu'il y a tous les enfants, ils sont en train de dormir. Enfin, il y a Amaury qui est réveillé, qui regarde un dessin animé dragon avec papa. Un peu tôt, on l'a renvoyé et puis finalement il dort encore. Mon ami pouvait se lever, il s'est pas levé. La puce elle dort aussi. Tout le monde a besoin de récupérer de son week-end de. Enfin, week-end, vous comprenez quoi. Ces jours de fou de fête. Oui, mon chat. Les chats ils recommencent à vivre dans la maison tranquillement. Et je vous montre un truc. Heureusement que les poubelles passent ce soir. Regardez. De tonnes de sacs jaunes que j'ai de poubelles de tri, c'est énorme, énorme. Il y a une nouveauté aujourd'hui, on a passé un bout d'après-midi à faire des changements comme vous voyez dans la chambre d'Amaury. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a fait. Alors maintenant quand on rentre, on a mis sa grosse peluche ici, mais c'est qu'on n'a pas encore trouvé de place. Il y a son bureau qui est ici à la place de son lit, donc il y a encore quelques trucs qui vont changer, genre on va enlever les calendriers, ce qui vont être finis. Bon, on n'a pas encore ouvert le 24, hein. On n'a pas pris le temps de le faire. Il y a toute cette partie-là qu'on va enlever, c'était quand il était bébé, on l'a toujours laissé dans sa chambre, donc maintenant on va l'enlever. On a mis ici les deux cartons que j'avais fait pour son anniversaire, et il a mis quelques jeux Playmobil et puis la petite maison Macha et Mishka qu'il a eu à son anniversaire.
Là, on a mis en place son tapis qui est au pied de son armoire qu'on a recollé à l'entrée de la porte. Sa belle armoire où il y a dit mon petit Owis qu'il avait fait à l'école. Et on a donc mis le lit collé à l'armoire ici. Bon, je suis en train de faire du montage Lego sur son lit là, qu'il avait eu à son anniversaire qu'on n'avait pas encore fait. Mais donc, on a mis son lit ici où il a son petit poster dinosaure et sa décoration des 4 ans. Donc, il a son 4 au-dessus du lit. Il est trop content. Là, ici, c'est le linge sale, mais j'ai la caisse qui est encore pleine de linge propre qu'il faut que je range. C'est pour ça que c'est en bazar, mais il faut pas trop regarder. Donc, la commode qui était dans ce sens-là, elle se retrouve dans ce sens-là maintenant, avec la télé dessus et puis le lecteur Blu-ray à côté. Donc, quand il regardera ses petits dessins animés dans sa chambre, depuis son lit qui est juste là, on tournera légèrement la télé et puis ce sera parfait. Sa bibliothèque n'a pas changé de place, elle est toujours là, avec tous les livres qu'il a. Et juste à côté de son lit, il y a sa table de chevet et les petits rangements de jeux qu'il en a des tonnes avec tous les dinosaures qu'il a eu. Il y en a beaucoup. Donc ça lui fait quand même beaucoup de place pour jouer de ce côté-là, ici. Et puis là, toute cette place sur l'entrée où il peut jouer sur son tapis. Là, on va acheter une chaise de bureau dans pas longtemps et puis une lampe de chevet. Parce que le seul point de lumière, c'est ici. C'est quand même assez loin. Donc voilà. Le petit tour de sa chambre qui a changé. C'est vraiment trop mignon. Bon, c'est tonne de doudou, hein. Ça fait chambre de grand comme Maxence. Au final, il a le lit à travers la pièce, mais il adore et nous, on adore aussi. Bon, ce soir, c'est soupe chinoise pour tout le monde. Ça a l'air bon. Les enfants, c'est du poulet, moi aussi. Papa, je sais pas ce qu'il a pris. Un curry. Il répond pas. Il a pris Moi j'ai pris curry. Et toi, t'as curry, pris j'ai poulet. raison. Poulet. C'est bon? C'est pas trop chaud? Non. Mange la puce. Ça, c'est super ça. On a ouvert les calendriers de l'Avent qui manquaient là dans le Kinder. Donc le 24, on l'avait pas ouvert. Elle a un bel œuf Kinder, la puce. Et il y avait un autre jour qu'on avait oublié d'ouvrir. Donc elle a un tout petit œuf Kinder. Et dans son Hatchimal, on avait oublié aussi 2 jours. Donc elle a un nid bleu, il est trop beau. Oui, la puce, tu peux les mettre ici, les trucs. D'accord? Hop! Et le 24, elle a eu un Hatchimal dans son œuf. Donc on va frotter, puis regarder ce qu'il y a dedans. Hein, la puce, regarde. Oui, il est beau. Allez, on ouvre. Tiens, hop. Je sais pas. On va voir. Ça se casse assez bien. Oh! Oh, super! Il est trop beau! Mais non, c'est pas une vache! Oh, il est trop mignon! Regarde, il est déguisé en bonhomme de neige, la puce! Waouh! Il est beau? Oui, il est beau. Ah, t'as ouvert ton Kinder Surprise? Oh, regarde ce que c'est. Vas-y, prends-le. Prends-le. Là, là, prends-le. Un petit renne. C'est pour l'accrocher, le mettre dans le sapin. Oh, il est trop mignon. C'est pour l'accrocher dessus, je crois, ça monte, oui. Alors, ta chambre? Il est content? Mais c'est très bien comme ça. Trop génial télé. Trop génial télé. Oh là là, il est énorme. Oh, un énorme cheval. Oh, en plus, il est trop magnifique. Regarde comment il brille. Regarde, il est de Noël. Et regarde, il y a la selle pour aller dessus. Eh ben, on va l'ouvrir. Donc voilà le cheval qu'il a reçu dans son calendrier de l'Avent pour le 24. Il est très beau. Regarde, monté, oui, maman, elle l'a monté. Oui, il est beau, hein? Je vais le ranger. Tiens, je vais le mettre avec les autres. Ça finit sa petite collection de Noël de son arbre, de son calendrier de l'Avent. Bah, franchement, c'est bien fourni, hein? Il y a beaucoup de choses.
Oh là 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 là. Le coffre fort. Montre. Il est énorme le coffre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si gros. Et de ce que je regardais, Maxence, on peut mettre un code pour l'ouverture. Ouais. On verra ça demain, d'accord? Je te l'ouvre, je te le pose et on verra demain pour le code. D'accord? Oui. Moi, ce soir, ils se regardent un petit dessin animé. Chacun dans leur chambre. Dragon. Oui, c'est ce que j'ai vu. Tu serais mieux au fond du lit. Manger le chocolat. Allez. Les chaussettes, maman. Bon, journée au calme aujourd'hui, ça a vraiment fait du bien. Le plus gros de la journée, ça a été faire les courses, emmener mon frère à la gare. J'ai mal là. J'ai l'impression que c'est mes lunettes. Et puis le changement de chambre d'Amaury, mais le reste d'avoir détendre, les enfants qui dorment. Même eux, ça leur a fait du bien. Ils se sont vachement reposés aujourd'hui. Donc ça, c'est cool. On a joué aussi au jeu que Maxence a eu à son anniversaire. À Noël, il a eu le jeu Switch Pokémon, le Pikachu. Et il a commencé à jouer. Franchement, il adore. Et franchement, il est super bien. JB, il va jouer, c'est obligé. Donc voilà. Moi, je vais vous laisser profiter un peu de la soirée tranquille. À mon avis, je vais pas faire long feu. Parce que plusieurs soirs de suite, on s'est couché très tard, là, pendant les fêtes. Donc ça va être dodo et montage de vlog que demain matin, je ne le ferai pas ce soir. Je sais, en ce moment, ils arrivent en retard tous les jours, mais c'est les fêtes et je pense que vous comprenez. Déjà, vous en avez tous les jours. C'est un miracle que j'arrive à m'y tenir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.